Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mi-temps Journée sur télévision nationale d'Haïti. Et dans le dernier journal, ça, avec une formation qui concernait le président de la République, Jovenel Moïse, qui distribuait un lot 13 camions compressifs par différents mairies dans le pays. Je l'ai dit, 27 août 2018, là, dans le Palais National. Camion compressif ça y est, allé dans plusieurs communes, comme Cité Soleil, Pétionville, Marchand des Salines, Aquin, Agromone. Objectif là, c'est éliminer question Fatra dans le pays, et puis pour respecter promesse chef l'État et fait pour accompagner collectivité yo dans tout niveau et spécialement dans le programme assainissement. Nous allons suivre un reportage avec Sabine Jean-Etienne et puis Jean-Aël Duvernay. Camion compressif continue à rentrer dans le pays pour faire service assainissement dans différentes communes sous territoire. Flotte ça a gagné la donne, environ 13 compressifs. Matériel ça a vini environ 3 semaines après président Jovenel Moïse te distribué les 37 camions par un premier groupe mairie dans le pays. Je dis à nous des privilèges et avec président Jovenel qui fait un nécessaire et lui est priorité pour la commune capable de propre, pour le pays capable propre, parce que les pays sont propres, ou qu'a fait tout bagaille qui propre. Nous dit président Jovenel, merci dans notre fédération magistrat, dans notre toute commune et dans nos communes qui peuvent bénéficier tout, dans notre toute commune qui bénéficient. Nous dit président Jovenel, merci, nous remercions en pile et collectivité à prendre notre destin. Camion ça a vini dans le moment communio a fait opération propre la rue dans l'occasion entre l'école là qui prévoit pour lundi 3 septembre qu'a vini là. Président de la République, là, Jovenel Moïse, expliquait, réalisation ça, c'est respect promesse, les faits collectivité, yo, et puis, dans l'idée pour combattre Fatra, qui tournait adresse pour mon rété. Chef l'État cité, en pile l'autre travail, administration, là, a réalisé, dans le moment ça. Dans pile, bagarre que nous dit, et dans pile, bagarre dans ça, nous dit, que n'a pas fait, mais c'est pas demain matin, c'est encore au magistrat qui se dit, c'est des projets structurants, même j'en route, carrefour pour aller en sa foule. Magistrat Romon nan sot pale qui dit que le content dit ouais que nan bon la crête en pile travail drainage a fait travail a fait usine la qu'il la a travail pour d'ici peut-être un mois bien asphalte qui commence à essayer fait dans usine nan. Ça veut dire nous a travail pour nous respecter gros promesse nous barrage irrigation qu'a fait dans pays a étude sous pleine bako nous am connait pas déjà. Nous songeons de parler de irrigation pleine ça, études qu'a fait sous Grande Rivière du Nord, qui pourra l'ouser, on partit dans pleine nord-est, pleine du nord. Mais, travail à fait, c'est pas demain matin, nous allons lever pour nous être toutes. Mais ça m'a demandé nous. M'a demandé nous, patience nous premièrement. Mais deuxièmement, accompagnement nous, compréhension nous pour nous connaître, il y a des travail qu'a fait dans le pays. C'est peut-être, c'est pas même nous. Ouais, bénéficieux. Seigneur doit se mandat président qui venir. Seigneur doit se mandat président après à tout pour le bénéficieux. Parce que grand travaux de infrastructure, ce n'est pas des travaux faciles, ce n'est pas des travaux qu'on a campé un jour ou dit ou fait demain matin pour well. C'est des travaux durables, c'est des travaux qui sont bon pays. Et décentralisation en tout, faut clair, j'en ai toujours dit. Là, il y a pile commune n'importe où, par exemple Pétionville, Cité Soleil qui vient compressif là, mais ce n'est pas seule commune Port-au-Prince qui vient Fatra. Série distribution compressif ça a rentré dans le cadre stratégique Caravane Changement qui visait un ensemble de projets de développement en Haïti à différents niveaux. Merci Sabine et Jean-Etienne qui était présent dans la remise matériel ça qui était faite à Yelandian dans le Palais National. Travail caravane changement après poursuivre dans le département Grand'Anse. Actuellement, il y a divers travaux infrastructures routières qui ont fait dans Duchiti, Kafoubac, rue Eugène Magloire à Criel Lampet pour améliorer les conditions de déplacement populaire à Kafoubac, reprofilage route Eugène Margon à construction totale rue Lampet. C'est quelques travail qui ont fait dans le département. Problème poussière, les gains soleil, à Klabou, les gains la pluie après le résoudre pour les gens qui fréquentent zone ça. Plusieurs monde dans la population ont félicité le travail ça qui peut améliorer les conditions de vie. Je dis un gros coup de merci parce que avec mon et qui mettait ensemble qui capable de nous retirer nous côté nous là et m'a dit président un gros coup de chapeau parce que un gros travail il était fait pour nous parce que vous êtes écrasé depuis en vrai. À peine deux ans qu'on s'est arrêté en casse, on a pris poussière, on a fait tout le bagage.
c'est un plaisir pour moi. Pour moi, football là, même cap, on l'autre modèle. Nous pas de gain, manger depuis gain, ou la gain la vie. Parce que la gain, parfois, elle lui fait une soleil là. Poussière, envahit mes yeux, mon cher. Oh, ça, c'est un bel plaisir, mon cher. Depuis me fait, jusqu'à ce que je vienne dans l'Aïssa, c'est le premier président qui a marqué, s'il t'a bon route, ça, sorti Jérémy là, arrivé jusqu'à Cacas, dernier point, département grand sang. Quitter pays à 4000 km, objectif, administration, président Jovenel Moïse là. Nous suivons un reportage Falland Delphin avec Michel Joseph. L'autre information dans le journal ça, commission et spéciale qui a analysé le dossier pour le ministre nommé Jean-Henri Seyon, fait connaître d'ici demain mercredi rapport commission à Paris. Président commission au nom de lui, dit qu'il n'y a pas de recevoir pièce membre cabinet ministériel là, dans le cadre d'analyse ça. Sénateur Nord-Ouest là encourager exécutif là pour déposer dossier dans le même cabinet ministériel là pour énoncer déclaration politique générale pour les ministres là capable faite sans perdre de temps là qui tout suivre en bout dans déclaration. Mercredi au plus tard, n'a pas soumettre un rapport by bureau Sénat pour le premier ministre qui peut faire partie également du gouvernement. Jusqu'à maintenant là, nous t'a dit toute bagaille OK. Dans l'occasion, cette session recevoir lundi 27 d'août là, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet. Ministre de l'Éducation nationale là, parler sur un ensemble mesures ministère apprend dans l'occasion rentrer l'école là qui fixé pour 3 septembre cap vini là. Ministre Pierre Josué Agénor Cadet expliquer gain plus passé 5000 enseignants qui déjà joignent lettre nomination yo en pilote qui te gain lettre qui peut te toucher, commencer toucher. Yo extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort. En termes de gouvernance, pour Anessa avec entre l'école là, Jean nous connaît, nous avons hérité de un lourd fardeau dans la question professeur d'école, enseignant qui était trouvé en situation irrégulière dans le système là, les noms montés. Les me fait compter sous, les me fait compter le ministère. Tout chiffre qui fait connaître, il y a environ 4000 enseignants qui n'étaient pas de l'être en main. Pourtant, aujourd'hui, nous avons déjà distribué plus de 5000 lettres enseignants qui fait nommer. Et dans pile dans qui commençait à recevoir salaire. Même si nous avons dit que 2700 qui étaient lettres depuis 10 ans qui n'ont pas jamais touché, eh bien, là, nous venons faire gros calcul, nous venons plus que 3000. Et aujourd'hui, plus de 95% d'entre eux déjà touché. Et toute ratio pour toucher, c'est ça nous va devoir une lettre pour te faire avis financier et dans pile qui est déjà en traitement ou en finalisation dans le ministère des Finances. Non seulement on a parlé d'enseignants qui étaient en situation irrégulière dans sa classe, mais gagnent tout en pile contractuel qui était gagné dans l'État. Et depuis quelques mois là, c'est ça n'a fait. Côté la nommé en pile monde qui a un contrat dans le yo pour qu'il bénéficier de tout avantage l'État capable de yo. Et aujourd'hui, on a continué avec traitement ça, tout ça qui a un bon genre qualification pour nous capable de nommer. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'année ça, tant qu'on sous frais scolaire, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans mes timoun yo pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça, tout bagay la donne. 1000 gouttes de la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et il y a pour yon capable de faire nettoyage en dans le lycée dans l'agence à nous. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire nous pas d'accord avec question qui est sous-traitance temps. Parce que je dis à tout pendant que nous avons traité le cas, nous avons pile cas, enseignant qui dit dans salle de classe en situation régulière, et pourtant c'est enseignant qui est pour l'autre maître qui parle là, qui est chaque qui a sorti. Donc c'est ça que je dis à là, nous mettons fin à situation ça, qui c'est question sous-traitance temps. Bon, question tout qui mettait nous dans ça, nous y est là, c'est question côté autorité qui est dans l'État, autorité politique, inspecteur, directeur départemental, directeur l'école, qu'on prend plaisir, non mais mon. Jodia nous voyons en gros et Pingabayo nous dit seul l'État qui est autorité nominative. Et c'est seul le Premier ministre qui est capable de nommer, ou bien ministre éducation lui-même, s'il y a une délégation Premier ministre, ou bien capable de nommer avec approbation Premier ministre. Donc toute décision en autorité est capable de prendre,
qui par autorité nominative, li nul et non avenu. Et dans ce même temps, nous avons un gros lettre de blâme, nous devons voir un directeur départemental qui lui-même a osé nommer un directeur de l'école dans le troisième cycle qui n'a même existé encore, qu'on a c'est l'école fondamentale complète avec lycée. Nous prenons l'autre mesure toujours et concernant les questions de la gouvernance, et bien côté nous demander et nous pendant la combat de corruption avec l'argent particulier sans pas de monde qui travaille pour eux, nous mettons tout campé dans le ministère, plusieurs équipes de supervision, l'école ouverte là qui peut marcher dans tout lycée, dans toute école fondamentale, l'école d'État. Tout même dossier a yon l'autre bord, ministre éducation nationale formation professionnelle Pierre Josué Agenor Cadet annoncé gen divers l'autre mesures qui prend pour faciliter les vieux aller l'école. Dans ce sens, ministre l'en fait connait gen plusieurs écoles qui a construit, reconstruit et puis réparé. Puis loin, ministre l'en expliqué reboisement obligatoire dans programme toute l'école. Le extrait toujours dans micro Rachel Saint-Fort. Gain environ 11 centaines de chantiers et bien pour reconstruire l'école et gagner 30 nouvelles écoles fondamentales et bien on va lancer marché pour yo pendant ce temps pile lycée en pile école nationale marché déjà lancé pour yo. Et comme nous dans l'Ouest, par exemple dans l'Ouest, nous avons le lycée Marie-Jeanne, nous avons le lycée des jeunes filles, nous avons le lycée Daniel Fignolet, nous avons le lycée Antoine Isveri, et bien, et tout marché sont déjà lancé, faculté sciences humaines tout, et nous avons le journal de l'Ouvrelis, côté où nous lancé marché pour reconstruire le lycée ça. Bon lycée qui, bon nous avons pile problème dans l'État, c'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous dit, on lycée que le Jean-Jacques Dessalines, depuis 12 janvier, et bien, tremblement de terre a porté l'année, Timounio a vivre à toute position dans mauvaise condition. Eh bien, aujourd'hui, dans le budget, nous mettons pour reconstruire. Cependant, nous avons rencontré avec vos autorités dans l'État pour nous charger d'un bel espace pour nous capables de construire le lycée. Parce que côté lycée, Jean-Jacques Dessalines, il a fait tout le bagage moins au lycée. Parce qu'il n'y a pas d'espace même pour faire une bonne école nationale selon les nouvelles normes que nous établissons dans le ministère de l'Éducation nationale par le truchement de direction génie scolaire. Non seulement ça, gagner près de 500 écoles que nous devons réhabiliter. Nous sommes comprendre très souvent nous ça dans les réseaux sociaux. Les Alflins et nous, tout. Nous avons pile l'école dans le pays qui a évolué dans de très mauvaises conditions. Espaces pas bon, localio pas bon. Et il faut que nous disions aujourd'hui, si dans tout le pays d'Haïti, il y a plus passé 20 000 écoles, et 20 000 écoles là, et bien l'État a plus passé 3 000 dans yo, et bien là nous arrivons dans notre ministère, il y a au moins 2 000 dans yo qui étaient en mauvais état. Et bien aujourd'hui, il y a plus passé 500 qui réhabilitent, et dans pile l'autre tout qui va reconstruire. Donc, nous pensons tout à ça, selon instruction président Jovenel Moïse, eh bien, nous avons un pays pour nous sauver, nous sommes capables de l'autre pays, c'est ça que fait ça, nous déclarer, eh bien, c'est depuis avant l'école là qui fermait, côté reboisement pral obligatoire dans toute école, quitte c'est dans le réseau public, quitte c'est dans le réseau privé. Côté nous avons plus passé 4 millions de monde, eh bien, qui pral planter pied bois, côté action, tout plan déjà préparé pour ça, il est fait. Nous avons protégé tout l'école, avec, et là, nous avons dans l'autre domaine qui c'est accès alors nous dit plutôt amélioration qualité éducation hein? Nous connaissons en Haïti et depuis quelques temps toute étude montre que nous avons 70% enseignants nous qui méritent de joindre bon genre recyclage et bien nous mêmes pendant nous là nous mettons campé et bien en politique nationale de formation des enseignants et des cadres qui commençait par mettre en œuvre là. Toujours dans l'occasion 54e conférence lundi la presse, lundi 27 d'août là, ministre de l'Éducation nationale formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Cadet fait connaître, il y a plus passé 780 millions de gourdes qui déjà dépensés pour subvention à manuel et scolaire. Ministre l'a précisé, il y a plusieurs autres maisons d'édition qui entrent à NESA dans le programme subvention hein, pendant expliquer toute manuel yo a disponible avant rentrer l'école là. Un extrait dans le micro Rachel. Et nous tenons c'est bien bonheur marché pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Année ça, et bien tout le monde est obligé de marcher au pas. Et bien c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'État investit autant d'argent pour question subvention avec dotation. Donc contrairement à ça, nous avons dit sur Radio Matin, bien l'État année ça a dépensé plus passé 780 millions de goudes pour subvention avec dotation. Dans toute année passée, eh bien, le plafond par exemple dépassé 600 millions. Mais année ça nous dépassé 780 millions
pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Cependant, il y a un pile imprimerie éditeur qui rentrait dans la DSA. Et moun yo dans la société à compte son sel. Mais il y a plusieurs, tant que il y a pédagogie nouvelle, il y a édition Wester Manuel, il y a copie vite, l'action sociale, il y a C3 groupe SA. Donc, il y a un pile l'autre éditeur encore qui rentrait, et bien, dans le domaine à DSA. Et bien, parce que nous t'ai lancé pour la première fois en question de marché public. Côté même livre qui est en dotation, livre et nous mettons en subvention, tu as ça qui est fait gré à gré, tu as ça qui est fait selon les normes, selon la loi, côté c'est marché qui te lancé. Mais on est ça la distribuer, côté tout éditeur joue une portion par nous. Et je dis à là, on a pris une grosse politique pour nous être comment nous sommes capables de résoudre le problème ça, qui tourne en gros zoo dans gorge l'État, pays d'Haïti. Et nous avons regardé comment nous sommes capables d'améliorer. Et depuis l'année passée, nous avons commencé à porter gros amélioration dans la situation dotation à subvention. Et si année ça tout, nous avons plus de manuels en dotation et en subvention. Plus de 1 000 000. Voilà, c'était ensemble explication ministre éducation nationale formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Kader qui t'a participé dans 54e conférence lundi la presse ministère communication organisée. L'autre dossier dans journal ça, commission éthique et anticorruption Sénat rencontré lundi 27 d'août là, directeur général Société Générale Énergie d'Haïti, Sogener Dimitri Vob. Débat au Téchita sous échange DG Sogener là te gagné avec ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Sous réseau social, yo qui te gen rapport à contrat Sogener signé avec l'État haïtien. Président commission, sénateur Yuri Latortue, annoncé, y a gagné pour tendre ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte en 20 longtemps sous dossier ça. La petite suivie vient extrait dans le micro Fabien Confident. Déclaration qui était faite par rapport à entre Sogener, soit par réseau social ou le fait que nous devons recevoir information ça. Eh bien, il était clair qu'on allait au premier point que je dis à responsable compagnie Sogener confirmé que eh bien gagnant monsieur Devarenne j'ai oublié de dire là qui devait demander au corps en partie en cash et en l'autre partie qui était quitté contre la passe, c'est à dire ceci n'est plus au niveau des réseaux ou bien de parole en paix, ceci est confirmé devant la commission. Nous confirmons tout que compagnie Sogener ne va recevoir 12 millions, il recevoir entre 3 et 5 millions dépendant de production que le bail pour moi. Deux points ça, yo extrêmement important parce que c'est à partir de deux points ça, yo, que nous allons faire d'autres rencontres, particulièrement avec M. Devarenne et avec M. Lamotte que nous allons rencontrer. Bon côté PAL, directeur général Société Générale Énergie d'Haïti, Sogener confirmé. Les commission éthique et anticorruption, toute information qui a rapport à contrat l'État haïtien est signée avec Sogener. Directeur Sogener, Dimitri Vob, a expliqué dans le micro Fédéral Confident avec Maurice Wilwich. C'est le Sénat de la République qui t'invite et moi présenté et moi dit tout ça me dit. Je profite de parler de Sogener et de certains bagages qui t'a parlé, mais c'est éclair aussi tout ça m'était capable pour sénateur. Donc, moi, je remercie pour l'invitation, ça, pour faire devoir comme citoyen. Et comme ma travail à l'État, m'a toujours parlé pour me venir devant l'État, pour me dire tout ça qui est correct, tout ça qui est vrai, bagage pour me cacher. Donc, nous faisons ça pour me faire. Problème qui t'a gagné, t'es un tweet qui t'a gagné, t'es un échange qui t'a fait moi-même avec le Premier ministre Lamotte, il devait connaître qui vérité que t'a gagné. Voilà, moment arrivé pour nous prendre un coup de pause dans le journal là. Pas déplacé, n'a pas tenu un petit moment. Merci pour fidélité ou soit à peine branché ou à suivre le journal Mitan Genéan sous télévision nationale d'Haïti. Jude Lalanne, Ralph Lefruit à Wendel et Mam, c'est nos trois jeunes garçons qui font partie du groupe qui a remporté 3e édition concours jeunes citoyens J'éclairé à Nessa. C'est groupe croissance qui a réalisé concours ça à Xipo, agence États-Unis pour développement, USAID, John Herbie, Casseus et Henri-Robert Chéri étaient sous place. La Dinoplis dans un reportage. C'est au total 6 groupes qui ont participé dans le concours jeunes citoyens J'éclairé à Nessa. J'ai en principe concours à mandé ça. Chaque groupe présente un rapport étude et enquête qui ont été menée sur un projet investissement public. Après présentation, c'est groupe qui ont gagné la donne. Jude Lalanne, Ralph Lefruit, Akwendel et Mable qui gagnent concours.
Selon Wendel Aimable, l'équipe a été réalisé enquête liant sous travail reconstruction, concours d'émission à Pont Route 9 là. Concours jeunes citoyens éclairés rentré dans quatre projets renforcement transparence processus budgétaire haïtien. Un projet groupe croissance a exécuté grâce à bois de l'agent USAID selon Melinda Jean-Baptiste, une responsable groupe croissance. À partir de ce qu'on fait là, on va capitaliser sur les mais qui s'en est comme ça, mais qui s'en est fait à grande échelle. On voit que ça fait plus souvent et en plus en masse et by des pistes sur base d'expérience nous dit mais comment nous s'attaquer fait mais à long terme après long terme j'en dis déjà c'est permettre que j'en dépense pour les cafés de pays ça les fait plus bien et plus efficace et by des biens. D'après Melinda Jean-Baptiste, activité ça rentre dans le cadre des marchés à mener pour porter contribution paille dans le travail l'État haïtien a fait pour permettre plus de transparence dans les dépenses publiques. Dans l'actualité internationale, le chef l'État américain Donald Trump a annoncé à lundi une entente entre États-Unis et Mexique après plusieurs mois de négociations sur révision accord libre-échange nord-américain ALENA et fait qu'on est discussion avec le pays Canada a commencé non pas longtemps. Donald Trump qui était dénoncé thème ALENA, elle était fin privé sous pouvoir, pas voulu jeter un accord séparé avec le pays Canada qui était fait qu'on est la temps négociation palio les États-Unis à pays Mexique en tant que sous question. De l'autre côté, Trump a annoncé qu'il n'y a pas d'intention qu'un BNONAFTA, qui c'est acronyme anglais ALENA. Dans le dossier sport, Coupe de la présidence, deuxième série quart de finale déroulée hier lundi dans le centre sportif d'Adadou. Dans l'occasion, l'équipe Nord-Ouest là bat Nord-Est 3-0. Et puis à l'étranger, championnat d'Angleterre, Manchester United perdit 3-0 devant l'équipe Tottenham hier lundi dans Old Trafford. Dans l'occasion, troisième journée championnat d'Angleterre de football. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal Labo pour jeudi. Merci pour fidélité. Attention, nous invitons à être branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Et pas oublier, rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bonsoir tout le monde.